Congo, c'est notre pays, nous devons défendre notre patrie aux ennemis de la République, voulais-je dire. Chers Congolais, vous nous suivez de partout, c'est votre émission, les Salariums, Awatobetaka, Masolo Yamboka, Naba Oyo, Bakoki ko défendre nation, Ba Oyo, Bakoki ko la qui s'appelle Nzelanini Yakolanda. Cette émission, les Salariums, et Zalara toujours bilingue. Je vous avais dit, aujourd'hui, je vais recevoir pour vous. Pour la toute première fois dans cette émission, l'Isalarium, ici à l'Univers Télévision, Monsieur J.C. Mubenga, Congolais de la diaspora, l'âme qui défend les valeurs. Il est ici avec nous, Monsieur J.C. Okoyi Kokotana, Omwanamboka, Ozoesika, Negojisa, Koya, Awa, Abeti, ma cravate, ma casse, aux États-Unis, t'es, ouais, Zali Kishasa. Mwanamboka, J.C. Mubenga, Mbote na yo. Mbote, Negojisa, fin. Na États-Unis, tu l'as resté, hein? Vous voulez les crucifier? Les opposants. Frétin. Olobi, olobi. Pas frétin quoi. Bah opposant. Bah frétin, moi bah frétin Mdakala. Ah. Pas poids Mdakala. Voilà. Bah sangani lelo. Papa sangani. Bah Luki bah homoko. Au moins nous avons besoin de bima pour que ça marche. Déjà, alors on a intention que beaucoup engaya bimaté. Voilà, Babozan. Oh! Non, leader de l'opposition aujourd'hui, ne refait pas le nom de Kouégué. Bassani, quand même, marche. Les lots au Kotambola. Oh! Olinga Gaba marche, les lots au Komarché. Au moins, vraiment, nous avons l'intention que. Oh! Bah, pour ça, Bassani, il était. Alors, Babozan, il va créer actualité. Au moins, il y a un macaque à Boubundate. Bon, à partir de la drone, vous en avez bien. 50 drones sont déjà prévus pour accompagner tout le monde en nombre. Mais moi, ils m'ont dit que bah, c'est belé, hein, surtout dans les sites dans le boulevard, bah, c'est belé, bien sûr, pour péquer, c'est bon, bah, c'est ça aussi la démocratie. Mais ça, la police, il y a besoin de bimater. Parce qu'il y a besoin de bimater. Papa, vu le 20 millions de bâtons, opposition. Où est-ce que bastion opposition? Oui. En 2006, 2011, 2018. Où est-ce que bastion opposition? C'est-à-dire, Félix a eu le pouvoir. Il fallait qu'il chasse à contrôler l'opposition. Opposition. Tellement bazar, pas frétin. Il a pété. Pourquoi il veut tout simplement nous affaiblir. Net vidéo, ça avec nos missions et tamboli. Oh, vous avez couru, benzé, vous avez regardé non. Ah non, quand on voit ya. Ah non. Dragon. Voilà. Voilà qui chasse. Voilà. 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 Mais c'est un leader d'opposition, de l'opposition. Oui. Parce que le programme est. Bana, allez là. Bana, allez là. Renaissance, allez là. C'était quoi le message? Des programmes, il y a. Chaque ménage, ma groupe n'a pas essence pour lutter contre le problème. Il y a courant. Alors, négociez.
Moi, dans mon cas, je sais, Moubenga, comprenez cette émission, c'est toujours comme ça, l'isolarium. Tu as dit l'isolé en bouc, tu as se détendre, mais tu as dit l'isolé en bouc, on a congolais, parce que la communication doit aussi descendre à un niveau assez, bah, oh, bah, comprendre, moi, bah, le pote, moi, mingite, bah, koka, na koyoka, moko, zambo, kakoutou, na tchango. Bato bakanga basuki ba yaya ou bakanga basuki. Ba poser problème pas mokonza mboka. Mokonza mboka c'est déchaîné. Ba yuma wana. Voilà. Balobi tolobi bis. Bis. Ba nyanga la tata wana. Dose. Voilà pourquoi émission. Voilà, émission tout ça là on prend la banakine. Bah on va comprendre un peu les lingalo et biso. Tout ça là on a moins tendance à nous pour qu'on comprenne. Alors, ne quoi juste mon benga n'a précisé. Je précise encore et je signe que Oye Awa na plateau par l'invitation et par l'envoi. Il y a équipe, il y a campagne, il y a Mokonza Mboka Fachi 20. Équipe, il y a campagne. Il y a mon compte. Je sais mon bien. Kende Kosola, là-bas, comme ça. Nadelfin. Nadelfin. Tout cela. Et campagne et l'équipe. Et l'équipe. Tout ça, c'est le résultat. Prestation, c'est ma. Calaté. Tout ça, c'est la. Tout ça, invité de ma opposant, parce qu'il y a belé la prestation. Parce qu'il y a un gars de sa public. Banani. Baboza. Puis nous voyons bien bangou élection. Bien. Bangou va lever. Bah il voyait bien bangou élection. Bah voyant dengue ni. Puis nous voyons bien bangou. Bah voyant dengue. C'est le nationalisme. Yo l'année qui monte aussi maté. C'est l'essence républicaine. Y a que fair play on dit mais que Napoli. Bafoua, monde aussi ma lobby. Yo kagite. Bangou va lobby les Catanais. Il faut battre les mains. On a su Mazanane. Orphelin à 57 ans. Orphelin à 57 ans. Papa a Moukoulouana. Azaka orphelin. Alors, papa n'a pas fait. Mon père. Ah, c'est ça. Il a 57 ans. Il a mon père, quand il était. Papa. Vous êtes papa, ya, papa, ya, comme déjà grand-père. Vous êtes sûr que mon papa, non? Parce que nos partis politiques, aucun qu'on hypothéquait parti et pas à moutoise à la partie. Moi non, si ma tête a parti. Oh, quand on est à Mela Bamoto. Et... Oh, Olivier Kamitat, on est sur place Arc et Zalam. On est à Arc. On est à Arc. Arc. Et Kenna. Et là. À comment agent porte-mallette. Donc Moïse Katumbi peut acheter les leaders et leurs partis. Oui, il achète. N'a intelligence là-bas. Non, tout. Mais c'est monsieur dangereux. Bah. Mais c'est monsieur dangereux. Ancien président, il soit parlement. Bah, si, mais là, il va passer pour peut-être. Ah, il passe. Il passe pour. Il va passer pour. Il va passer pour. Ancien ministre, il soit plan. Donc, Moïse peut jouer avec les dignitaires, oui, parce qu'il a des billets verts. Papa, mais bien sûr que Delis Sessang a tout, français, Sili, Delis Sessang avec son projet à refondation de l'État. En vol. Refondation de l'État. Oh, à refondation, c'est ma Katoumi. Katoumi, on va bien, t'as mis. T'as mis, Katoumi, assiste Bango tout. Mais bien sûr, assiste Bango gaz. Viens me croire pour respect. Aboya ina na musika atali bango abe ozwanga te na kena na belge. Mokoya yo abe teke coup d'état. Na tombo moni ina sa vingtaine vie. Ba élection résultat bando bi mabi oublier cette histoire là. Ba bi même na panzi kuna centre za kuna 8 personnes va voter. Oui, c'est qui fort. Ba tu sais qu'il pourrait pas faire. Ba infirmier mais bino comment on est avec vous ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bon on a voté, mais on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Nous, on n'est pas de la CENI. On attend tous les résultats de la CENI. Alors, dès que je sais, Moubenga, nous devons entrer dans le sujet de Bissot. Voilà. Mais comment marche tout le but était bah, opposant, au bas de pété. Au bas organisé qui marche là-bas. Na moni marche en haut, un vrai fiasco et l'autre côté. Na luka ba image, na moni ta côté ba marche qui, na moni te. Bon, na ebite. Exact, na moni te. Tu sais que. Pour que l'épisode déjà, bah, ok. Pour vous aller dans le drone et vous accompagner pour tout le monde en nombre. Article 64.
au lieu de faire appliquer l'article 64, la population là, il fallait beau mobiliser, pas qu'elle vote bien. Bango ba lobby. Mais la population a voté binoté. Dans l'article 64, nan agoya. Non, bango ba lobby boue, cet article, le peuple il faut à se prendre en charge. Sur ce, comme ba tendance au binou, ba okopé sa ba élection, ba bourrage des urnes, bouibi, peuple wana bima, a accompagné bango pour ba défendre l'élection. C'est quoi ça que moi je ne comprends pas? Article on a des alinéa. Alinéa ni oyo moni bango ba sa élite. Oyo ya liboso. Et il y a un groupe d'individus où toute personne a renversé le pouvoir par force. Il faut que tu aies le milieu. Il faut que tu aies le légitime. Ok. Tu organises les élections dans les délais constitutionnels. Nous avons tout respecté. On va dire que tu as le Koukouta. On va dire que la procédure est une loi électorale. Après ce qui est allé à litige, banini, boke na cour constitutionnelle, moto oyo ya Katumbi oyo nane Olivier Kamitato, abo ya lebito kende cour constitutionnelle te sa instrumentalisé, Tshisekedi a sala déjà ilo kone ya nan nyo so mobilité. Mais kaka cour constitutionnelle onde valide nde kona yo Katumbi te. Kaka yango. Wana cour constitutionnelle zaki bien. Ils allaient qui bien. C'est non bang. Wana zaki bien. Papa bang onde ba ya kite. Bazo c'est là. Aujourd'hui, la cour constitutionnelle va donner son verdict. Tout le monde a été validé. C'est la cour constitutionnelle. C'est ça la démocratie. On a pas français. Tout Congolais a les droits. Les lois. Bah, se retrouver que il n'y avait pas un discours. Président Akenda qui na campagne, la rotonde. Félix Tshisekedi a présenté un programme de gouvernance très cohérent, avec des assignations, avec des engagements à la clé. Population à Moni Makambo. Six engagements. Six, papa. Six. Abi avant engagement, na la Sali. 145 territoires. Pedel. Ezali. A PCI gratuité, bana 5 millions de classes. Ville à Kishasa. Comme ville pilote, tu lances une couverture santé universelle. Gratuité à maternité. Tu bâtis ba route, ba école, tu sali ba université, tu sali hôpital, Mamayemo. Sali centre financier. Tu commis budget à 16 milliards. Tu doté armée na loi et programmation militaire. Makambu kilikili, tu sali en. Awa to lobi nyo se samakite. Bolinto zonga zero. To konsolide makambo, to salimo andambo, to kende liboso. Na ye bisibino, nana six engagements. Nako sala ke pouvoir d'achat koma li soumingi. Misaleza e fuluka. Sécurité a malamu. Akse na ba besoin de base. Neti éducation gratuite, santé. Makambo nyo sona. Félix a lakisi. Que Azala qui est cohérent dans ce qu'il disait. Donc, partout où il est passé, vous pensez, il a parlé. Les autres n'avaient rien comme discours. Vous pensez qu'il était le seul candidat qui avait un discours convaincant pendant la campagne? Mais qui d'autre? Katumbi a chanté, non? Il est en train de. Oui, apparemment c'est ça que nous retenons. Moussous, hein. Peut-être que Katumbi a présenté, je ne sais pas. Oko beta yo, toko beta yo. To beta ye, to beta yo. C'était comme ça. Il était en train d'apprendre la langue. Il n'y avait pas un programme. N'habitez ce qui s'est passé dans l'équipe de stratégie de campagne à Neko. Ayaki, Azo, Yebate, Logonini, Aluba. Mais Félix a communié avec le peuple. Félix n'a pas nié. Alors, oui. Il y avait beaucoup de défis. Mais comme belle to salité, mais belle peut to sali. Mais Bopé Sanga deuxième mandat Félix Alsengi. A Bopé Sanga na Lubumbashi. Boutou qui a boule la télé nyuana. Jacques qui a boule. Oh, gouverneur. Mbote. Ba ko la na vision na Lubumbashi. Mbote. A lobi Bopé na ye ko solliciter. Bopé Sanga mandat ni bal. Na si sa makamuna. Donc le peuple bah, écart, 90, 99%. Papa, et ça l'a maté.
na histoire ya mboko. Mais j'ai suivi quand même Mondo Simba, Mondo Simba ou Simba. 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 Voilà. Parce que le nom d'un traître des phares, pour nous retenir, c'est à moi pas. Quelqu'un qui est avec des Rwandais à tout moment, donc c'est compliqué. Mais quand le type dit que vous avez ouvert ma centre à 17h, pour vous quand on a 21h, pour être bateau, pour que nous votions à la mouquée. Papa. Et dans vos machines, là, vous votez dans un dakou, 50% pour que nous votions. Mais on est à 5 côtés. Oui, oui, je voyais chaud les nanas, les qui n'est pas qu'à tout, mais bah, si moi, mais on est à la couna. Le bazar qui n'a pas observateur. Bangonde, Baluga qui bureau par bureau. Oui, c'est ça que Kadima est en train de faire. Bangonde, Basenga qui, pour Pessi Bangonio sur Baluga qui. Bah, tiens, on a la loi électorale. Bon, tout ça, le langon quand même. Ok. Le lotan, bah, Monica, Pema na Pema. Habite. Il faut que tu aies tout. Tu sais que tu es là, tu es là, tu es là, vraiment. Baluga qui est élection. Baluga qui est élection. Tu sais que tu as comme un nouveau Kagame dans la RDC parce qu'apparemment, tu sais qu'il y a des risques d'avoir 98. Parce que la manière qu'il a été voté, je ne sais pas, mais Kagame, c'est un dictateur. Maintenant, tu sais qu'il est avec le peuple. Le peuple n'est pas voté, on dit le peuple en cause encore. Pourquoi nous pouvons voter, Moutouboye, vraiment? On a exagéré, ce n'est que de s'opposer, il ne faut pas s'inquiéter. Félix. Le peuple a exagéré. Félix, tu sais qu'il y a des acquis dans la campagne. Stratégiquement. Ok. Na pointe, aux ana MLC. Parti mouné na opposition. Et comment na pouvoir, ils a pimbé dans mon compte. Ok. Un poids lourd. Oh, bah ça qui na la moukate, au début à mandat. Azara du mauvais côté, histoire. Après, bah, il y a bon côté. Les camps de la patrie. Tozuin de ko, Kamere. Oui, oui. Poids lourd. Ça fait deux. Ozui Bahati. AFDC. Poids lourd. Au Bakissi vient Mbosso na pointe. Au Zomona, au Zouane, maman a banoui de pèse et moko. Ok. Au Kolomboka. Partout, coin, ti coin. Papa, Batouana, si vous êtes à la côté à Katumbi. Katumbi est dans ma tata. Maman est dans ma tata. LG. Hé, papa. MLP. Nani? J'ai la LG, ya mini, ya ma tata. Autant MLP. MLP à Franck Lyon. Ouais, ça na lingua là. Et ça parti communal. Oui. Et ça parti à Kaumoa commune. Ah, quoi va boire. Et banina qui s'est sauté. Et revivant Franck de commune. Oh papa, on va être dans le bateau. Bano ya nene ya dipro. Ah, facile pour. Alors bien plus ça ça bana ya papa. Et puis dès que tu sors là, yo que dans Lukanini ya ba affiche à Boninga, on Lukanini. Bon, la campagne no yomoko. Tu sais qu'il point n'a humilier les opposants. Ouais. Mais papa. Bah opposant parce qu'il valait. Franck Dion, héros vivant. Mais n'a comment Franck Dion à côté parti pas. Obandi na matata pour nous. Oui, LG de partout ça. Obi. Parti les autres. Ah, il faut tout na Franck Dion chez Mala. Na ben non, c'est que ça. Non, quelque part vers ma campagne. Oui, 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 oui. Pemena Argentine ngobila. Kaka parti wana. Oui, na mona mo le pango bachamo badi. Chayer. Na ba na cabine bazar. Oui, na ba chege mona mona. Je suis en vol. Nani, c'est ça. C'est parce que Masananga. Masa leader à Louise. Masananga à Louise. Leader à Louise. Au moins Masananga moko HK Ateli Baya côté wana. Donc. OK. Aux alana honorable HK. Honoré Kabon. Donc à Robeta côté wana. Donc c'est ça là. Donc bateau bazaki na sima ya katumbi bangwa. Bazaki le côté. Contrairement à bateau tant que yo muni muni ba poa bazaki. La logique voudra ce que pourquoi est-ce qu'il est pesé? Mais c'est une mathématique politique. Ah oui, hein, la logique est simple. Hein.
Parce que mais déjà, vous avez Cameroun qui vous donne le sud Kivu. Oui, oui. Bahati qui vous donne le sud Kivu et le nord Kivu. Julien Paluku vous donne le nord Kivu. Vous avez les Bitakwira. Vous avez les Mbusa Nyamwisi. Oui, si, oui, oui. Vous avez les Bitakwira. Vous sentez le nom là, c'est. Oui, oui. C'est ça tout. Pèse quand même dans l'anglais. Vous avez la moitié de, la, de l'électorat dans cette partie de Kivu. Ok. Le Kivu, le Katanga, là, vous avez pratiquement 49%. Donc, ce qui signifie la victoire écrasante dans Gamboa. Ceux qui sont au côté équateur. Aux yeux Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba. Oui, le numéro 1. Les Baïmoto. Ok. À Tamboli, à Kotina Boatou, à Tambousi Moto, vélo, pour nous faire la campagne. Jean-Pierre Bemba. Et c'est ça. Non, qui n'a Bikoro, non, 9%. Non, qui n'a. Na Baliaou Bazawana Boki ba Bokungu ba côté bana ba secteur ba le Tundu ba ba Janisien Mbusa ba Benge ba 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 Gilondo ba Isangi ba Gilondo tous ces gens là ba Gilondo ba moto oui oui ba tondé ngono beta ba ngonde donc la victoire était certaine parce que ses leaders étaient avec Tshisekedi naturellement le mois que ba côté ba ya ba failu ni ba vie mbosso ba vie mbosso za kiwana danger. Donc, Maïndombe, Mais Félix contrôle 21, statistiquement 21 en tête avec plus de 85%. Mais Félix a aussi là-bas peut-être 20. Donc même on a terrain à y être lié. Ce qui veut dire que même là-dedans, nous avons raflé un peu. Si le Katanga avait 4 millions d'électeurs, nous pouvons avoir 1 million d'électeurs là-bas. De Toyoko Bakissa, au total, c'est 43 millions d'électeurs. Donc sauf Félix a bêté déjà, dès que déjà la tendance à 5 millions de sikoyo. Donc, ici, nous expliquons aux Congolais la logique où M. Jean-Claude Mubenga a expliqué. Si vous regardez derrière Félix, le leader au Bazakuna, déjà. Comment on peut parler de bourrage de la masse et qu'on a la côté, hein, tu sais que même j'essaie de faire un exercice avec les Kinois, les Congolais, au bas qu'on en est pas. Il faut que revenez sur ça. Regardez, mais c'est important. C'est démocratiquement et démographiquement qu'on détermine déjà les votes. Déjà, les partis installés, implantés et équipés au Congo, ce sont celui de PES, c'est le MLC, c'est l'UNC, c'est AFDC. Et les autres. On pouvait prendre le PPRD, mais PPRD dans un processus. Déjà, Bazan a été à côté. Même la logique simple, j'aimerais que. Maintenant, quand tu prends ensemble, il n'a jamais été implanté. Non, c'est un parti. T'es Bapé, ça, 26 coordonnateurs. Balar. T'es ensemble, bon monde à côté. Bapé, ça, l'art. Bah, ordinateur, n'a pas ni. Bah, y'a, bah, lis-moi tout. T'as 40 000 smartphones. Smartphone clandestinement. 40 000 papa, ils ont 1, 2, 3, ils ont 40 000. Donc il faut les gens douane Mokoboye. Baye baka ba plan et quota. Tu vois dans le dossier, tous on en a nous, on analyse, exemple à Kinshasa. Ce côté là, candidat, on y a ce qu'on a dans l'élection provinciale, députation, ainsi de suite. T'as là, fiche, na bango na sima, bon, là, tu sais qu'il dit. C'était rare que vous puissiez voir candidat manko à Tchelongi à Katoum, parce que c'est vraiment rare. Déjà, le candidat, on attend qu'il batte la campagne, va battre au nom de Tshisekedi. Donc, la logique, où est-ce qu'on a dans le centre, va voter Tshisekedi Makasi, et ça,
contestable était. Katumbia yawa, Saint-Thérèse de Zaki vide. Il pensait que à Kinshasa. Quand ça la chanson à Bana Kini Balé, la moi vide des Zaki vide. Et puis bah tu ne vas filmer qui m'a matin qui drone ou ana. Bah on va y stratégie t'es. T'es bon papa. Bah on basait kuzwande, basait qui m'a cassé ya ko ko salaba ko sangi ça va image. Ah ok. À basu image moi ya ya plage na Brésil. Olobi. Moi na Brésil bah noir bah moi. Oui oui oui. Moi, campagne, il y a Lula. Ok. Bah, mixant. Oui, bah, ça, ma casse. Donc, c'est un parti de mafieux, hein, apparemment. Apparemment, il sent. Oh, Katumbi. Il sent. C'est qu'il y a un dossier, moi, mafia. Na Maroc, oui, oui. J'ai vu John Lungila. John Lungila nous a dit que. Il a une vidéo. Mafia, il y a football. Voilà les types là qui. Mafia, football, il y a un comment côté. Drogue, nanin. Exact. Mais l'État peut quand même. Bon, non. Nous, on n'a aucun droit. Non, 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 mais, a, mais non. Si il y a un mandat d'arrêt international, je pense que notre justice pourra. Oui, hein, oui. Hein, ça ne sera que, pas de l'acharnement. Oui, oui, parce que le chef de l'État veut que l'image RDC Zala améliorée et Zala bien. Si je lance hein, le message aux Marocains, si vous estimez qu'il y a un fugitif ici, quelqu'un que vous cherchez dans la justice, John Lungi, vous n'avez qu'à écrire. Vous n'avez qu'à écrire. Il y a une vidéo, John Lungi Lande, Tamboli, Abinon Justice marocaine, Azana besoin, Azana Bosenga, il y a 25 personnes. Dont y compris Katoum. Non, qui drogue, Maramo drogue, Bimikuna, Bafrappe. Vous n'avez qu'à écrire à la RDC. Il y a beaucoup de choses. Oui, oui, vous n'avez qu'à écrire à la RDC. Nous avons un gouvernement responsable avec le chef de l'État qui veut que son pays allait respecter. La justice va prendre les sujets congolais sur papier à Rotine de la Binoé. Je dis bien les sujets congolais qui a une beauté cosmétique sur papier, on peut vous l'envoyer comme ça au Bokende Bosambisae. On n'a pas besoin de gens au Baraba Valeur Amabé. Alors, mais moi, je vais dire ce mot bien. Ce qui veut dire que les statistiques que la CNE est en train de donner, ndeko fils et fille, personne n'a pas de statistiques, on a total à Ranano. Parce qu'apparemment, bah, opposant, bah, c'est un qui logique, moi, qu'on a CNE. Bureau par bureau. Ma tendance est bima avant. Kadima a maillé les mines. Mais ce qu'on va tendre. Tata a maillé les belés. Ce qu'on va tendre. Tindi ki bangoti. Bango, bazalai ko prepare contestation. Na, et loko Jean-Pierre Bemba, yusu bango ke bakenda yi, ko somba, et loko mongo na... Société mongo russe. Yaba russe. Koba yako yiba. Nde bilo ko mimba le bazalai ko zela nangu nangu nangu. Tango o yako yiba, et salemite, parce que kadima ko circuite bango ha. Nane ba biro e fungoli ba aere a diferent. Soba ko kite ko se connecte. Biro e fungoli o e biro. Kadima le intelligent. Kadima mystique. Biro et Kangi avant, ou Kangi après. Bah, pirate, on a moyen, bah, compte. Là, Alina, compte ce mouton. Ah, bimissime. N'aie plus au cas d'image. Oh là là, c'est un génie. C'est quoi les mazas comme on a, bah, on a Biro naïe. Ok. On a trompé, bah, on a sali, bon. Ou Alina, ça, Kangi, ouais. Papa, t'as ma monnaie qui est copé, simité. Ok. Plan B. À l'activer, contestation. Bah, activer machine à contestation. Ok. Tu vois, son nezaïque, Grande-Bretagne, France, Amérique, bah, on tout. Babite, Makambutu, n'est-ce pas, qui rapport à observation. Côté rapport observation, on a posé, ben il y a ben Singa Delphin, tu sais qu'il a tellement promis des minéraux, bah richesse, na bah organisme, wana, yango, bah ngo tout, bah on a côté, n'engenine, bah tu nous as pas encore. Alors bien, mais en tout cas, de bien, na bounissa mon but, na bounissa bah Kabila 1 et 2, mais yaya oyo, ma kambasa li bien, na comprendre te. Colette Bagman, gueur à ma case, mais yamot, animé le mais. Élection à mon amour, on a un dengue l'équipe en dépit de quelques défis logistiques qu'on peut comprendre. Bah, air tardive, hein, oui, bah, air tardive et tout ça, mais bah, tout le monde a droit. Il n'y a aucun déco pour voter. Mais, bah, on va dire que Lucas,
et à la transparente. C'est-à-dire que bon banité na kuzuté. Il y avait d'abord l'inclusivité et yé ba yekomona. Il y avait d'abord l'inclusivité et puis la transparence, c'est né à ko provoque. Oui, inclusivité ya ngwana katumbi mutwaza na passeport zambien. Zambien. Habité à côté à Pola na terrain. Et até que oh ba salinga forfait. Nekabila. À côté to betaye. Aller comme retour. Dès l'élection 2018, à Zotel, on a Zambi, la musique, la musique, Kabila, mais la pipe partout, la bouche. Et quoi, tu voulais? On a quoi pour frontières? On a quoi pour Katumbi, on a fait aux frontières, les militaires s'approchent. Mon fougis, mon fougis. Katumbi, regarde, ils sont en train de venir. Katumbi rentre derrière. Les soldats sont ici. Katumbi, aïe. Quand aïe, les soldats sont poussés. À cette journée, mon bimba. Allez, il y a un média, un journaliste. Vous voyez, la frontière est fermée. Je voulais entrer dans mon pays pour aller être candidat. Kabila dictateur. Son pays sur papier, il faut. Oui. Kabila dictateur. Kabila dit, viens. Nous, on n'a pas encore fini entre nous deux là. Bon, il semble qu'ils ont fait la réconciliation. La réconciliation katangaise. Oui, oui, ils se sont réglés, bah, compte encore. Donc, le. Bon, ils étaient. Le plan C. Les deux gens, vous avez commis Funda. Celui-ci, c'est un Italien. Il y a un passeport. Ok. Qui a déjà donc c'était les deux Tanzaniens ou Bayebana. Bon, bon, Bayebani. Donc. Kabila est au Benga, Abi Azali Juda. Oui, oui. Abi, s'il m'appelle moi Juda, lui est qui? Le créateur ne peut pas craindre sa créature. Le créateur ne peut pas craindre sa créature. Oui, parce qu'il le va. On a bien. On a une vieille main dans les coups enfoncés les coups. Est-ce qu'un créateur peut craindre sa créature? Mais là, tu sais qu'il peut avoir peur de Katumbi. C'est carrément. Même chose que Katumbi et Sili. Maintenant, ce que tu as rapport, ça dit ma rapport. La majorité. Parce que côté opposition, à la rose et la Diembe, il y a Mouan. Le rapport est en faveur. Il est en faveur à Tshisekedi. Union africaine, Nine. Koto Yonin. Si tu as un lobby, peut-être Tshisekedi va promettre un minéré. Comment le rapport est bien? Mais non, il promettre un minéré. Yoka, élection, processus, Mobimba, l'équipe, zéro mort, zéro arrestation. C'est vrai ça? Oh, mais comment? Tous les candidats étaient libres, non? D'aller partout. Non. Ils ont même provoqué plusieurs fois les gouvernements. Il faut pas dire. Oui. Il faut pas dire que le processus y avait zéro mort. Nayebi et que ça serait pour la toute première fois au Congo. Processus c'est seulement sans mort, sans arrestation. C'est en 2006 avec. Abete Massasi Boui. Avec. La ville à Kinshasa. Ngoimulu. Ah, Zagal Kolasha. Tewana nane Malumalu. Malumalu, voilà. 2011 Ngoimulu. Ngoimulu. 2018 Nanga. Nanga. C'était terrible. Oh, le colonel Nanga. Tosomaka ba mateka et bele bele. Agoma colonel. Olivier. Colonel, oh, tu as bon, ça va l'élection à 2000. Non. Colonel, tu es na Kenya. Na M23. Oh, tu es bandé mouvement Alliance Fleuve Congo. Est-ce que nanga pena na age au pena baile na age azana ako kota pena armée na age age na pena ko bunda bitu. Ça le moi na. Ba nanga mo. Bon. Il semble que comme collègue ya Willy Ngoma. Na bazo sala le lor na ba bord. Na bisi mo joana les traîtres là, ces aventuriers là avec les. Ba le 20 ba ko beta. Na John Numbi. Les 20 ressentis. C'est un conglomérat d'aventuriers. Mais, Bino Bolobete, les rapports qu'on a donnés et crédibilisés, processus, et la question de Tshisekedi a gagné. Mais bon ce qu'on a inquiétude, na bango, a dit fondé, tu as fondé. Parce que Bango, Babundi, qu'on doutait, n'a qu'à dire, mais Simbite, Balobi, Boban de la belle élection est Simbite, Balobi, Bino Bopesi, Baminere, n'a pas groupe Wana, ou Bassadi, ba rapport. Ngaïna, Kotuna, Bino. Est-ce que Tshisekedi l'a fait ou pas? Parce que va changer stratégie. Balobi, jamais Colette Brakman n'a côté la Bino. Jamais Batonan n'a côté la Bino. Bango, Babi, Bango va contester. Vous avez bien Colette, après ce rapport à ma Bepo, Bango, Bajembela. Tant que le rapport est Biminde, Moussou, Balobi, Topesi Minere. Félix, Azam, moi, n'a beaucoup à Lingimbo Kanaï. Félix a lobby awa partenariat gagnant-gagnant, win-win. Ok. Donc, Félix a rotikalaga jamais depuis Mokile Banda Tinde Yosuka, coupé sa mondele minere nabisson sans que nous, on se retrouve. Tout ce qu'il fait, c'est pour que nous puissions aussi ajouter de la valeur à nos minerais et que cela puisse produire
que cela puisse donner du travail aux compatriotes. Tout ce que vous entendez là, c'est le discours des perdants. Ok. Un perdant ne peut jamais dire que ça a été bien. Attends, il y a bien qui est appelé. Moutounet est cette qui connaît. Vendeur à ma veste. Namol a gâté gamin ma veste. Namol. Néné, il y a eu combien en général? Ah oui? Combien de voix? Bon, pas ça, non, moi, il y a 0 moins 1000. Bon, pas ça, l'électeur du dernier communiqué. Bon, peut-être. Moi, tremblé dans le communiqué pour une télé 50. Peut-être. Parce que les prompteurs, autant que prompteur, tu sais, à un papillon, on est ligné, quoi, ma tata, pour une affaire, on a joué, c'est augmenter un peu le volume. Volume. Mais tu sais que la dernière question, l'opposition a pété. Il y a pété. Est-ce que. Opposition, moi, il y a. Il y a tout écouté. Est-ce que l'époque a dit que. Aux hommes, tu sais que la chaîne, moi, était là, enfin, il va autant communiquer. Tu sais que tu attends de communiquer. Tu sais que dans la matière. Attends, on a le babou. Il y a mon invité, et pas Lusakwen. Oui, oui. On a le journaliste. On a le bien. Mais quand vous prenez des vendeurs de vestes, quand il y a un candidat président de la République, je ne sais pas. Voilà. Ça, tu connais. Tout le monde est. Il y a un. 56, 56. 11, voilà. Numéro 11. Numéro 11, 56. Soyez candidat président. Combien de voix? 120. 0,9%. On y est, peut-être que ça a quitté la veste, a quitté la prix, peut-être que ça a voté. Voilà les gens qui étaient derrière Katumbi pour que Katumbi a gagné. Vous prenez un type comme Seth Kikuni derrière Katumbi, est-ce que Katumbi peut gagner? Vous prenez un type comme Matata avec les dossiers Bukangalon Zazanango, est-ce que Katumbi peut gagner? Vous prenez un Franck Diongo, un vieux apparemment fini, derrière Katumbi, est-ce que Katumbi peut gagner? Donc, vous avez compris que sur le plan statistique et mathématique, il n'y a pas match. Félix avait des poids lourds qui ont battu campagne, qui ont expliqué au peuple et qui ont ramené des voix. Par contre, Katumbi misait sur son soutien de l'extérieur. Et les mafias, selon Jean-Pierre Bemba. Oui, mais les gens de l'Union européenne, Baya Kiawat. Oh, tu as tout ça, l'observation. Il y a un matériel, tu as inspecté. Si c'est conforme, compatible, dans l'équipement, vous irez. Il y a un technicien. Il va pas. Il y a un satellite. Il y a un technicien. Il y a un software, un programme. Il y a un total, comment ça va fonctionner avec nos histoires? Parce que Toboy est à bloquer Banin. Oui, parce que nous sommes un pays souverain quand même. Parce que le bras de fer pendant 2 mois. Finalement, Monique, accréditation, ils ont été à pas Kangi Bisaka, Bangwana Bakei. Alors, 2 jours avant l'élection, au fin de la bonne hôtel, Mokotomo, il y a l'Union européenne. Baye. Il y a un expert. Ah, un observateur, si tu veux changer, tu es un expert. Tu as besoin de kéberer, de mendre. Tu es un timba déjà. Mon Félix, il y a un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un. Je suis seulement bien éduqué. Si on a découvert que tu es un banga, tu es un peu. Servir. Ok. Alors, M. Jean-Claude Mubenga, j'aimerais que le peuple va comprendre les démarches autour de ça. Ce que nous voulons, on est Congolais. Moi, je suis journaliste et patriote. Jamais n'a refavorisé les infiltrés, les étrangers. Nous faisons les émissions pour que le peuple congolais va comprendre. Vous avez l'isolorium. Tu vas comprendre déjà que l'émission, tout ça. Un groupe de gens au bazar pensait était ti publication comme ça les 30 décembre les 31 décembre ti nini prestation à serment bazar na ba plan B ba plan C pour nous enflammer tribalisme pour créer ba guerre civile
pour être mboka et ça là en feu. Face à ces gens là, quel est le discours qu'il faudrait que ça va congolais parce que nous n'avons que ces pays. Non, nous ça va congolais que mboka yoza mboka et vivre ba réalité au ba pays belé en Afrique ba vivre. Nous venons de passer près de 30 ans. Il y a occupation rwandaise. Tout le monde passe. Mboka ya bomengo boye. Vous vous retrouvez avec un budget de 3 milliards. Oui, mais c'est le même environnement fiscal avec les mêmes agents de la DGI, de la DGDA, Barnabé Mwakadi. Barnabé Mwakadi, DG na opesa Mbote. Qui fait bien son boulot. Non, ça, c'est un homme exceptionnel. C'est un génie. Un homme de Dieu. Voilà, c'est un qui génie. Aime. Je ne le connais pas, mais ce qu'il fait. Non, c'est moi, c'est... je l'ai déjà rencontré. C'est un homme qui travaille, qui m'a expliqué que c'est les mêmes agents. Hier, qui produisait, je ne sais pas, 1 milliard. Aujourd'hui, nous produisons 6 milliards. Donc, il participe à peu près à 40% des GI et Moko. Donc, pour vous dire que le même environnement fiscal et tout ça, le lot Mbongweza est belé dans Katia Mboka. Bato au bazo linga, to zong à zéro. De bato bazo linga, désordre kota na Katia Mboka. Guerre civile et ça. Trouble kota na Katia Mboka. To zong à un budget à 2 milliards. Et to zong à un budget. Bas soda, babando futama 100 dollars. Bazanga ba botine tous à l'attente avion mon côté au monité le Rwanda comme au Banga Congo Kagame comme au tremble oh non na mon la préparation ils ont les cana Congo comme si il y a une guerre qui se prépare et zanini ba moni qu'il y a du sérieux dans le pays. Nous sommes en train de sortir du gouffre pays ezala qui déjà enfoncé. Il fallait déjà d'abord combler les trous là poto surnager to bimal kolo. À partir de là nous pouvons maintenant commencer à monter. Le deuxième mandat ici, ça sera pour commencer à construire le pays. Donc nous ne pouvons pas laisser le peuple être entraîné par des gens qui n'ont rien à perdre dans le pays. Parce que banana bango, basse na bango, basana poto, Tshisekedi a battu campagne avec sa femme et ses enfants. Bazo kendina, ba intérieur, ba candidat onion soana. Et puis là, bah fanda déjà quelque part. Et puis la seule enflammé, bah enflammé mboka, bah on va zala na frontière à Zambie, bah on zala souké yindi, bah on va traverser kuna. Bah na bah tumusu suba kendo kufa. Ya on a zoe bisa, surtout na katanga. Bah kolanda bisa. Bah parents, mochunge bah totoyenu. Kuta kwa ma perquisition, l'État on ne l'intimide pas. Toutes les dispositions sont prises pour protéger la population. Chaque être humain a droit à la vie. Si certains individus, pour leurs intérêts égoïstes, veulent enflammer le pays, que le peuple puisse barrer la route à ces individus-là. Gardez vos enfants à la maison. Si votre enfant a reçu une machette, sachez qu'on va venir perquisitionner vos maisons. Et si on trouve là-bas, vous savez, la loi est dure, c'est la loi. Découragez vos enfants d'aller dans ces conciliambules diaboliques, méphistophéliques. Ça ne va pas aider le pays. Vos enfants ont intérêt à consolider la paix. Nous devons travailler davantage pour qu'il y ait la paix dans le pays. Il y aura du travail. Dans les programmes du président, il y aura du travail. Regardez, la zone économique s'installe juste à côté de vous, là, entre la Zambie et la RDC. Ça sera du côté de la RDC. Près de 60 sociétés vont s'installer là. Des grandes sociétés américaines, chinoises, japonaises, parce que c'est toute une chaîne de valeur. Le lithium ne se consomme pas seul. Il y aura les cobalt, il y aura les nickel. L'assemblage, on va faire des batteries électriques. On va faire beaucoup de sous-produits là-bas qui vont produire des emplois directs et des emplois indirects. Donc, vous serez des bénéficiaires dans ce coin-là. Il y a l'entrepreneuriat que le chef de l'État est en train d'encourager. La jeunesse. Il y a beaucoup de projets sur la jeunesse. Fogec aussi. Oui. Fogec, hein? C'est une agence, oui, de l'État pour encourager
les entrepreneurs. Jeunes entrepreneurs à avancer. Mmh. Alors qu'on ne vous trompe pas. Mmh. On a besoin de votre vitalité, de votre énergie, de votre jeunesse à servir dans l'armée, mmh. à étudier, à devenir entrepreneur, à fonder votre famille, à contribuer au développement de cette nation. Ces activités subversives ne sont pas encouragées. Je suis Congolais, tu es Congolais, ça c'est l'héritage de nos pères. Mm-hmm. Ceux-là, nous connaissons d'où ils viennent, mm-hmm. ils n'ont rien à perdre si ce Congo s'enflammait. Monsieur Gisem Benga, mais je me pose quand même la question, pourquoi on n'arrête pas ces voyous-là, ces bandits? Les gens-là qui instrumentalisent la population pour aller faire les désordres. Il y a le monsieur-là, nous avons sa vidéo, monsieur Mondosima, qui a fait un discours un peu dérangeant. La justice. Ce n'est pas la première fois que ce monsieur, quand même, défie l'État. Oui, il a déjà fait ce genre c'est pas la première fois. Plusieurs fois. Il est qui dans ces pays Il a dit que si. Katumbi ne passe pas, les Katanga, tout ça, vont se prendre en charge. Donc, il prépare le peuple à la sécession, parce qu'il n'a pas parlé du Congo. Il parle du Katanga. Il donne le message à ses frères là-bas. Il devient un peu comme Tshombe, comme tous les sécessionnistes que nous avons connus. Et la justice a... il y a toute une procédure. Le ministère public va faire son travail. Nous demandons seulement que le ministère public puisse déclencher la procédure parce que ce genre de comportement doivent être découragés. Les pays, on ne peut pas voir des individus, ils se lèvent là-bas, ils parlent. John Numbi a parlé, non ? À l'époque où il menaçait le régime, il a fait même des audios, tout ça, il menaçait. Dernièrement, on a vu Corneille Nangaa menacer. Menacer aussi. Là, maintenant, vous comprenez que quand vous prenez... les gens John qui sont à l'extérieur, qui parlent, il y a également un noyau des gens ici au pays quand vous prenez qui alimente le même discours. La mathématique discours. Veut dire John Numbi plus Nangaa plus Christian Mondo égale... Vous avez les noms, là. Ah oui, je vois. Parce que Mondo a vous parlé... Vous avez vu Mondo. Mondo a parlé au nom de Katumbi. Il a parlé, il dit, au nom de notre autorité morale, au nom de Katumbi. Quand vous prenez Katumbi, vous prenez ces messieurs-là qui est en prison, Salomo Istadela, qui est également le numéro rwandais. Donc, vous voyez que c'est un conglomérat des gens qui veulent mettre ce pays en feu. C'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ces gens-là? Il y a quand même le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazani. Non, le ministre de l'Intérieur est formel. Qui doit prendre les devants. On a pris des dispositions. Les lois là-bas et les hauts Katanga se surmilitarisent maintenant où je vous parle. Il y a plusieurs bataillons de militaires. Pas du Katanga, parce que nous savons que des militaires qui sont au Katanga, beaucoup étaient déjà achetés par... Okay. Oui, okay. Ils étaient déjà... Alors, on a dépêché des militaires de Kinshasa. Je crois que Bomango, tout ça, ils sont partis en renfort pour protéger, parce que la population ne peut pas continuer à lancer les cris de détresse. Moi, j'ai même une famille, ma famille, j'ai une partie de ma famille à Kolwezi. Ils m'ont écrit, dit, nous sommes en danger ici. Si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, nous serons exterminés. Il y a de plus en plus les messages de haine, les messages de menace. On cible nos parcelles. On vient vous laisser des traces. Chaque matin, vous vous réveillez comme ça, vous dites ou moins Babilolo, Tunayua, Mukumunyumba. Donc vous les ministre est là. Oui, vous les cafards. Les cafards. Nous connaissons que vous êtes dans cette maison. Un Congolais sur son territoire est considéré comme étranger. C'est quand même. Très triste. C'est un discours à décourager parce que. Ce sont ces gens-là qui voulaient prendre le pouvoir et diriger le Congo. Voilà, moi. Si Katumbi passait, donc Mando Simba allait être, je ne sais pas, Premier ministre, voilà le type. Et puis ces messieurs-là, Mando Simba, étaient ministres. Ministre du plomb. Oui, juste qu'il n'y a pas longtemps. Ces messieurs travaillaient avec Tshisekedi. Donc le président de la République avait raison quand il disait qu'il y avait quand même des gens qui les bloquaient. Vous pensez que ce monsieur-là, quand il était ministre du plomb, travaillait pour l'intérêt de Tshisekedi? Non, il travaillait pour Katumbi. C'était un ennemi, ce type-là. C'était des gens qui étaient venus pour bloquer, pour ne pas bloquer permettre au président de réussir. C'était ça, la stratégie. Quand il y a une décision au Conseil des ministres,
le ministre Pro Katumbi ne mette pas en application. Il faut que le président tape sur la table pour que ça avance. C'était toujours comme ça. Et aujourd'hui, vous pouvez voir le comportement de cet homme qui était hier considéré comme un homme d'État, mais aujourd'hui qui est un vilain criminel qui incite les gens à la violence. Là, je risque de croire à un monsieur qui m'avait dit, Delphin, si Sherbin Okende avait perdu la vie, c'est parce que Sherbin Okende voulait dévoiler des vérités. Mais est-ce voulait dire mais est-ce des que, vérités Delphine, parce que Sherbin Okende était du côté de la patrie, non, ne voulait Katumbi, pas prendre part Katumbi dans cette messe noire. Katumbi a bâti je campagne. Risque de croire. Katumbi a bâti campagne. Uh-huh. Est-ce qu'il a mentionné Sherbin Okende? Il n'a même pas fait l'allusion. Il a demandé une minute de silence non. À un Congolais. Non, un proche collaborateur qui était porte-parole d'ensemble. Qui est mort avant. Uh-huh. La campagne électorale, la moindre des choses serait de se souvenir quand même de sa mémoire. À chaque fois, une minute de silence. Vous comprenez que là-bas, les gens, ce n'est pas des individus, c'est leurs intérêts qui priment. Jean-Pierre Bemba avait dit dans une émission, il dit que ce monsieur-là est capable de marcher même sur les morts pour ses intérêts. Donc Katumbi, c'est un monsieur d'intérêt. Moi, j'avais dit, Jean-Pierre Bemba avait dit, moi, j'avais dit que lui est capable de nous vendre le fleuve. Vous dites. Oh, le matin, on se réveille, on vous dit, vous ne pouvez pas vous approcher du fleuve. Ça a été vendu. Je me rappelle, il y a une vidéo de Ngoï Moulunda qui avait dit oui, que Katumbi avait vendu les collines du côté de Funguru, mais à peu près 40 collines parties. Des collines qui pouvaient être exploitées pendant une trentaine ou quarantaine d'années, dans quelques mois. Les camions Hakuna Matata, Muzuri Sana, Abarikane, de Katumbi ont vidé. C'était des collines qui avaient plein de cobalt, plein de minéraux. Puis ce monsieur ne paye même pas bien ses agents, parce que récemment, il y a ces chauffeurs qui travaillent dans une société de sous-traitance, STLL. Ils m'ont appelé pour me dire, ils ont fait 3 mois. Katumbi ne les paye pas. Vous voyez? Mais j'aimerais quand même placer, moi, parce que c'est important, Makamoto, il y a tribalisme. Moi, je suis victime. Je l'ai dit parce que nous voulons l'unité de la RDC. Moi, je suis né à Lubumbashi. J'ai terminé mes études à Lubumbashi. Voilà. Nous avons des parcelles là-bas à Lubumbashi. Mais je suis né là-bas. Mais on a quitté Lubumbashi comment? J'ai encore cette image dans ma tête. En 92, 93. Quand Kumoku Mwanza disait Balouba Bote, Babebe, Manyumba Yabo, Beke, Pakichu, Abende. Bilulu. Tu vas pas caler ma fouta. Voilà. Tu vas te le mouche par Araï. Bende. Je me rappelle, j'ai encore cette image. À Mouenedutu. Il y avait un train qui était déjà plein. J'étais vraiment petit. Plein. C'est mon grand frère qui m'a pris à Wakinga na train. Je me rappelle les gens, rien que Kolinga, Komatana train, train ignatié. C'était terrible. Il ne faut pas que. Réveiller. Voilà, ces genre de choses. Ce vieux démon. Voilà. Ils ont un amour quand même. C'est ça. Rébellion, tribalisme. Voilà. Prêchons la paix, prêchons l'amour. Nous voulons la paix. Les Katanga, ils en ont Congo, ce n'est pas un pays à part. Ces gens-là ont un discours que si vous osez, on va se retirer du Congo. Ils vont se retirer comment? C'est ces leaders Katangé qui prennent ces discours. Nous voulons décourager ces pratiques-là. Vous pensez qu'ils ne se sont jamais retirés? Tchombe avait retiré ces pays-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Ils avaient la monnaie, ils avaient leur drapeau, ils avaient tout. Mais c'est... Permettez, c'est pas l'émission. Il faut qu'on évite les ridicules. Instrumentalisés par les Belges. Toujours. Quand vous avez vu Félix dire les candidats de l'étranger, ce sont ces gens-là, ces intérêts mafieux. Donc le chef avait raison. Mais c'est comme ça. Okay. Pourquoi ils veulent faire la sécession là-bas? Parce que, Delphin, Manono, toute la partie de Tanganyika, il y a beaucoup de lithium. Okay. Et nous entrons dans la transition énergétique où d'ici 10 ans, 80% des véhicules qui seront produits par
les grandes marques sur la terre ici seront électriques. Okay. Et le Congo, c'est une manne. Okay. Comme vous avez vu l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Oman, le Yémen, les Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis, faire le boom, le Qatar, faire le boom du pétrole, ça sera le boom du lithium. Okay. Alors, Kabila, Katumbi, Kagame, tous ces gens-là qui étaient habitués à la facilité de prendre tous les minéraux du Congo pour leurs propres intérêts avec les Occidentaux, les multinationales, aujourd'hui, Félix a fermé les robinets. Ces gens-là ne respirent plus. Okay. Ils ont dit, faisons tout, même la guerre, achetons les armes. Quand vous voyez John Numbi menacé, ils veulent couper cette partie pour récupérer. Le Congo, c'est le premier. Donc, nous avons 70% du cobalt mondial. Réserve. Réserve. 60% du réserve du cuivre. Le lithium, 70%. Donc, des minéraux qui sont stratégiques pour la transition énergétique. C'est ça tout l'enjeu. Okay. Qui fait que vous voyez Kagame se battre pour le Kivu, vous voyez Katumbi, Kabila se battre pour le Katanga, les deux parties, c'est le mot Mitumba, la chaîne là, c'est toute la partie des grands lacs, dans les souterrains là, c'est des minéraux incroyables. C'est un enjeu. Félix, connaissant cela, il a préparé le peuple à barrer la route, à lui donner ses mandats pour qu'il puisse protéger le pays. Il a dit ça, j'étais là, à Sainte-Thérèse. Il dit, je serai le protecteur du Congo et des Congolais. J'ai suivi le chef de l'État quand il dit, il y a l'envoyé des États-Unis, maintenant nous avons un interlocuteur. Quelqu'un qui peut parler avec nous, quelqu'un qui peut défendre quand même les intérêts du Congo. Un monsieur comme ça, il faut les protéger. Toute la nation doit être derrière Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Tu sais qui dit parce que on le Congo a quand même quelqu'un. Voilà un homme qui a été voté parce qu'à séduire le peuple, rien que par les discours et par les hauts faits. On dit, Delphine, est-ce que Tshisekedi va partager les richesses du Congo avec des Congolais? J'aimerais que, avant toute cette émission, que vous puissiez expliquer à la population qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour l'intérêt des Congolais et qu'est-ce qu'il va faire une fois, ce qui a prêté serment, Makambouelegi, parce que les gens doivent avoir l'idée de la personne, Makambouelegi Nassali, parce que non, allié Moko, assez le côté, peuple a souffri, pas ses alliés. Félix, à niveau, il y a un soldat, un fonctionnaire, un matra, un salaire. Ok. Kabila, tu as un salaire Moko misérable. 80 000 francs, 120 000 francs. Basi, il y a un soldat ou un koufa, un veuve, un koma kozoa, 250 000 dollars. Kabila, tu as un 15 000 francs. Olobi, Olobi. Aujourd'hui, ba boti ya bana ba futa sous Minerval te parce qu'on n'explique pas bien la gratuité de l'enseignement. Cela veut dire que Delphin azana bana mi balé aza futa 200 dollars soki na lupio. Delphin futa sous bon wana te bon wana e komi ko fonda comme boutique donc na coin économie et tamboli bana Félix alobi pesanga bango ba ya kotanga dans l'état futé lui oui alombo pesanga deuxième mandat. Tant qu'on va aux secondaires, on peut pas foutre à classe. Félix a fait ça. Ce n'est pas des fables de la fontaine. Tant qu'on va secondaire, c'est vrai. Tant qu'on va secondaire, maman, on a dit que c'est un pantalon. Ce qu'on a coupé, on a dit pantalon. On a foutu à l'état, Papa, toi, un bon belé. Ok. Delphine, on va comprendre. Toi, un bon belé. Félix a un bon gâté. Ok. Total, le nombre de bannes dans la secondaire, c'est combien? Ah, 5 millions de bannes. Bon, pour Batanga, enseigner, c'est combien? Nous avons 20 000 enseignants. Leur salaire moyen, c'est combien? 400 dollars.
20 000 fois 400, c'est combien? Je ne sais pas, oui, je ne sais pas, 80 millions. Mmh. Ok, on disponibilise 80 millions chaque mois pour payer ces gens-là. Okay. Vous, parents, prenez l'argent, l'équivalent de 80 millions, reversez ça dans l'économie nationale. Okay. C'est ça un peu l'idée. Waouh! Ça, c'est génial sois aussi trop didactique sur le plateau. Ah, Moubenga, Batika. Donc, voilà un peu des choses que Félix a fait. Et nous avons des centres de santé, plus de 1200 écoles déjà construites, avec à peu près 9000 salles de classe. À travers... À réhabiliter, t'es à construire. Construit. Même les universités aussi, j'ai vu. Oui, Inekin. Oui. IPEN est comme on dirait... Où Moi, j'ai fini à l'UPEN. Mais Lobby. Quand j'ai vu l'UPEN à la télé, je me suis dit, IPEN, on a la salle 5 ans. Il y a moi. On sent comme une maman. Il y a une porte. 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 J'ai vu l'image. Il y a une porte. Il y a une porte. S'adresser à nos opposants, ben ils savent où. Bah y a une prestation à serment, ils en ont proposé. Les Bengi bah congolais nyonso, bah c'est pas là. Les 30, les 31, et vous allez réveillon il y a Moula Sika, vous allez appeler Mukolo ya célébration il y a deuxième mandat pour Ali Royo, Magi Musu Ezate. Donc Félix a donc continué pour distancer Bango. Donc ils en étaient na sprint ou en aya 800 mètres, un beau tourné. Au moins, au jeu olympique, Bozo qui m'a normal. Il y a un autre à la bino, à regarder Pema. Et comme dernier spring, il y a à Pelissi, à démarrer grave. Bamoni, bamou tout batika les connards. Parce que ce que je veux dire, c'est que je suis à 90%, deuxième, je suis à 6%. Papa, tu as eu à l'école. Est-ce que tu as eu moins de la classe à 90%? Félix Maïe, le nini à niveau. Banaya, le Kunga Balela. Bana Dragon Balela. Bisognon, c'est Tolela. Merci de cogisser. Merci. Benga, je précise bien. Cette émission s'appelle Isolo. Oza l'Isolo. Tu solo, li, ma solo en boca. Et c'est là que tu quittes les États-Unis. Équipe à communication et à campagne, y a chef. Vraiment, vous avez fait le choix. Merci. Négocier, fait sa part. Botinga libisoye. Merci. Toyambi. Je sais, Nandengue a ma couleur à Jisse. Non, non, couleur. Nous tournons tout à l'heure communiquer. Nandengue, mes messages, là, bon. Messages, là, bon. Oui, oui. Merci. Paix, merci. L'unité et la prospérité. Merci, merci. La communication positive, une communication vraiment importante. Je vous dis un grand merci également, Nalobi. Merci, na Madame Miotou.
Azali kuna ndeko shabani bino nyonso bosali musala kitoko ngai na kolakela bato yo balobaki te ki pa campagne chef d'état ba ko sa musala te ces gens là doivent mériter la malédiction une machine mais bato ba ofu qui a écrasé en 4 semaines même TV5 ceux qui accueillent salami après une heure du temps nous en avons l'équipe a travaillé le professionnalisme oh et salami une équipe à campagne fait 20 coups de chapeau mon grand mboka sala ba on a confiance merci merci à vous restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.